Écoutez, déjà, je suis au conseil d'administration de Nest à Paris, étant moi-même ancien élève de l'école. Et j'ai reçu une proposition de la part de la directrice de l'école qui m'a parlé de cette fondation. Et donc, j'ai été intéressé pour découvrir un petit peu plus de quoi il s'agissait et m'investir dans le comité de gestion, de manière à rendre un peu à l'école, au travers de tous les axes de travail de la fondation, ce que l'école m'avait apporté pour démarrer ma carrière. Moi, je me reconnais beaucoup dans la partie aider les jeunes à choisir une filière scientifique, leur donner finalement la compréhension de ce que c'est que travailler comme un ingénieur dans l'industrie. Moi, je suis dans l'industrie et je pense qu'on manque d'ingénieurs et d'ingénieurs ES dans l'industrie et que c'est important que la Fondation permette, au travers d'un certain nombre d'actions comme les Cordées de la Réussite, de donner envie à des jeunes de s'investir dans ces métiers-là. Investir dans la Fondation, c'est simple, il faut donner de l'argent. Voilà, parce que cet argent, ça va être une démultiplication pour toutes les actions que l'école engage déjà. Et au travers de la Fondation, ça permettra de démultiplier l'aide à des jeunes, l'aide à des projets d'innovation, l'aide à des formations à l'international, la création de jeunes entreprises, des projets de recherche. Donc il y a tout un tas de domaines d'application et donc il faut donner.